Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. En tout cas, petit tuto avant de continuer notre formation. Aujourd'hui, je partage avec vous comment incruster une image dans une forme. C'est très simple avec le logiciel Illustrator. Donc, je vais directement essayer d'insérer une image. On a cette image, on va l'importer dans Illustrator. Ok, on a cette image qu'on a importée et on va voir comment on va insérer cette image dans notre forme. Je vais insérer une forme, je prends ce cercle, ok. Le but c'est de prendre cette image et d'insérer cette image dans la forme. Donc le principe il est très simple. Votre image doit être au-dessous de votre forme au niveau des calques ici. Ici on a des calques. Votre image doit être au-dessous de votre forme et vous allez sélectionner les deux, faire le clic droit et rechercher créer un masque d'écrétage. Une fois que vous cliquez sur créer un masque d'écrétage, là de façon automatique vous voyez, vous avez incrusté votre image dans votre forme. Si vous voulez le redimensionner, c'est très simple, vous sélectionnez l'image et à partir de là vous redimensionnez votre photo. Je vais reprendre encore avec une autre forme, vous allez encore voir. Cette fois-ci on va prendre une étoile. Donc je prends une étoile. Le but pour nous, c'est d'incruster une photo dans cette étoile-là. Donc, nous avons inséré notre étoile. Nous allons rechercher encore une autre image. On ne va pas trop marteler sur l'image. On va prendre n'importe quelle image. Je pense qu'on va prendre cette image-là. On l'importe Illustrator. Le principe, c'est le même. L'image doit être au-dessous de la forme. On sélectionne les deux. Clic droit. Créer un masque de crétage et automatiquement on a notre image dans la forme. C'était ce petit tuto pour vous montrer juste comment incruster une image dans une forme. N'oubliez pas d'aimer, de partager. Rendez-vous au prochain tutoriel là où nous allons faire un petit exercice, concevoir une banderole de 2 mètres sur 1 pour avancer avec notre formation sur Illustrator.